Salut à tous les Price Actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre Market Close. Donc là, on close bien bearish, on revient attaquer le niveau d'ouverture de cette belle bullish d'hier. Toujours bas de range, les bears sont toujours là, la tendance baissière est maintenue. Donc malgré tout, on est toujours sur l'ultime niveau d'achat. Regardez en une heure, bon, on a un signal de réactivation, une deuxième ici. Voilà, moi je considère cette zone là comme vraiment la dernière zone sur laquelle on va pouvoir s'appuyer avant de repartir, mais il faudrait vraiment une belle preuve d'amour de la part des bullish, sinon ça va être attaque des 320, voire même retour sur bull TL à 200. Bon, pour l'instant on n'y est pas encore. Et par rapport à notre plan de trading, voilà, en 5 minutes, tout bête. Donc depuis l'open de ce matin, on avait une proposition d'entrée short sous le point pivot sur ce niveau à 463,8. Ça a été fait pour un profit jusqu'en bas de spike, pile poil au point près. Ensuite, ce qui s'est passé, on a eu une resumption de la part des bullish avec l'indice ZOO qui nous a propulsé au-dessus de la moyenne mobile 20 pour aller rechercher cette zone là sur laquelle les bullish précédemment avaient essayé de reverser. Ils n'ont toujours pas réussi à reverser sur cette zone là et au contraire, c'est là où petit à petit les bears ont commencé à rentrer dans le jeu en breakant toutes les TL et puis là en créant un canal qui a claqué par le bas de façon exponentielle. Et là nous sommes sur le S1 jour logique. Après cette belle barre là à 15h55. Voilà, donc dans les jours qui suivent, là, surtout en journalier, voilà, vu le fait que nous sommes en bas de range à 10388, va falloir faire beaucoup d'intraday. Là pour l'instant on repasse toujours avec un biais bearish long terme. Ceci dit, le 1h reste sur ses derniers niveaux. Faudrait vraiment pas qu'on passe sous le S1. Faudrait qu'au contraire, on réactive bien comme il faut de la part des bullish en passant au-dessus de 430, 430, 440. Voilà, on va voir un peu de quel bois se chauffera le DAX dès demain. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à demain.